Près d'un an après son premier rassemblement, Pegida fait de nouveau recette. Après avoir décliné pendant des mois, le mouvement islamophobe allemand a réuni quelques 8000 manifestants dans les rues de Dresde. Son leader s'en est pris à la chancelière allemande, l'accusant d'être irresponsable et de faire du pays un gigantesque camp. Crise des migrants oblige, la droite populiste reprend du poil de la bête, mais Angela Merkel maintient le cap de la main tendue, sans oublier les règles. L'Allemagne va aider ceux qui ont la possibilité légale de rester. Ceux qui ne l'ont pas ne pourront pas être aidés par notre pays, a-t-elle rappelé. Pendant ce temps, le flot des migrants et des réfugiés ne tarit pas. Chaque jour, ils sont environ 5500 à passer la frontière entre la Macédoine et la Serbie, espérant gagner le nord et l'ouest de l'Europe. Parmi eux, de nombreux Syriens fuyant la guerre.